l'écriture de l'album a commencé en août 2009. Ça n'a pas duré plus de 3 semaines, si mes souvenirs sont bons. En 3 semaines, donc, tout l'album était écrit, il n'y avait plus qu'à en fin de compte enregistrer. Et j'ai eu une inspiration vraiment brutale comme ça. D'habitude, c'est pas ma façon de travailler. Les autres albums, comme Influences of Time, qui était spécial, ça a pris 10 ans, c'était le premier album. Mais The Land of Chaos, qui était un album qui a dû être écrit sur la durée d'une année, avec des morceaux, des idées qui ont été trouvées par-ci, par-là, éparpillées dans l'année. Là, c'était vraiment très brutal, en fait, d'avoir envie de d'écrire un album qui peut-être est sans doute plus cohérent que les deux précédents, du fait qu'il soit pensé dans une période un peu plus courte. Ça a commencé donc fin 2008 à peu près. J'ai reçu un appel de lui qui cherchait un batteur, pour me dire qu'il cherchait un batteur pour un festival de guitare à Digne-les-Bains. Le festival qui s'appelle Indian's Night. Donc ça a été une grosse découverte, ça s'est super bien passé. Et donc, cette soudaine envie d'écrire à nouveau, c'est dû en fin de compte à une accumulation des concerts qu'on avait fait avec Charlie, Simon et Nicolas, et aussi beaucoup le fait d'avoir une guitare avec une configuration différente. Moi, je sais que les guitares que j'ai sont en partie responsables justement de mon envie de trouver des nouvelles choses dessus. Donc j'ai eu une Vigier, donc une Excalibur Supra avec 7 cordes. Et pour moi, c'est une première quoi, d'avoir 7 cordes sur une guitare. Donc ça donne des nouvelles idées. Donc d'où le changement de tessiture dans cet album. Moi, le métal, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé, de près ou de loin, dans la différence style, que ce soit heavy ou autre. Mais assez vite, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus à la guitare, je me suis orienté vers des styles plus qui ont plus de technique, plus de patates, comme le métal instrumental, choses comme ça. J'ai beaucoup écouté des groupes comme Racer X et autres, pour ne citer que le chevelu. Moi, le métal, je connais déjà pas mal un petit peu, parce que j'ai joué dans Explicit Silence, donc c'était vraiment plus basique, hein, metal hardcore quoi, mais le fait de rencontrer Thomas, ça m'a quand même fait découvrir un autre style, donc le metal instrumental, que j'écoutais pas, que je ne jouais pas non plus, et ça a été pour moi, entre guillemets, un petit coup de pied au cul, dans le sens où c'était beaucoup plus technique. Enfin, c'est beaucoup plus technique et voilà, donc beaucoup plus de travail pour moi, donc et ben voilà, c'était un petit défi aussi, et c'est ce qui m'a plu dans ce projet-là, voilà, en plus de jouer avec Thomas, bien évidemment.
Donc forcément, jouer de la musique assez technique, donc, comme celle de Thomas, ça demandait beaucoup de travail, vraiment beaucoup d'investissement au niveau du temps. Et forcément, retravailler beaucoup sur l'instrument avant de passer sur les morceaux de Thomas. Donc forcément, l'apprentissage a été assez long parce qu'en fait, pour ma part, je ne connaissais pas vraiment sa musique avant. J'ai dû découvrir au fur et à mesure, j'ai dû l'apprendre. Donc en fait, ça m'a pris un peu de temps, déjà rien que pour l'assimiler, l'écouter. Ça a été l'écoute non-stop pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique instrumentale, c'est qu'on a beaucoup de place réservée donc à la mélodie. Donc ces mélodies sous forme de thèmes, même à l'intérieur des solos ou des interludes, ça permet de raconter une histoire de manière moins explicite que s'il y avait une voix qui aurait donné un sens à des mots. Là, on essaie de donner un sens à des notes, en fait. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dedans. Et puis le fait que ce soit du métal, ça permet de pouvoir ajouter une dose d'énergie basée sur des riffs et donc sur des combinaisons rythmiques qui donnent justement qui ajuste cet équilibre-là, en fait. Forcément, ça a représenté un petit travail pour moi quand même. Donc déjà, il y a eu le fait de devoir s'approprier les morceaux par rapport au Jams Live, donc on avait quelques mois pour travailler tout ça chacun de notre côté avant la première répète. Donc voilà, donc moi ma manière de travailler pour ce projet là, elle était simple, hein, dans le sens où Thomas m'a donné quand même pas mal il m'a apporté des partitions déjà, qu'il avait préparé lui-même au niveau de la batterie, j'avais les partitions guitare et basse aussi. Donc voilà, ça m'a permis de bien comprendre certains passages qui étaient peut-être un petit peu plus compliqués à aborder. Et voilà, et puis le fait de s'approprier les morceaux, ça s'est fait en les écoutant beaucoup, en les jouant, en se faisant plaisir dessus aussi, et puis retravailler dessus vraiment plus sérieusement. Concernant Virtua Tragédies, ce qu'il y a de nouveau par rapport aux deux albums précédents, c'est le fait déjà d'avoir écrit des morceaux plus longs et surtout des morceaux avec des ambiances plus progressives. Ce que j'avais moins fait dans Influences of Time et The Land of Chaos. Donc c'est la petite nouveauté quoi, dans cet album, avec en plus le fait d'avoir des riffs dans une tessiture plus grave due à la septième corde sur la guitare, en fait. C'est vrai que Thomas m'a apporté ses visions de partie batterie à l'intérieur des morceaux. Donc lui, voilà, il programmait tout ça en MIDI, etc. Donc forcément, moi, je ne rejouais pas tout à l'identique. Je gardais vraiment ce que je trouvais vraiment important, niveau rythmique surtout. Et donc là-dessus, j'ai pas vraiment beaucoup changé de choses. Après, voilà, Thomas me laissait vraiment plus de liberté en ce qui concerne certains fils de batterie et break, etc. Donc voilà, autrement, non, Thomas était super cool de ce côté-là. Moi, je me tenais vraiment à ses idées aussi pour respecter sa vision de ses morceaux. Et j'apportais mon petit plus de mon côté, ma personnalité en tant que batteur.
habituellement, le travail le plus difficile que j'ai à faire quand j'écris un album instrumental, c'est d'avoir d'abord en tête le concept, s'il y en a un, et les atmosphères ou la façon dont vont sonner les morceaux. Et ensuite, de pouvoir arriver de passer à ce que j'ai en tête directement sur la guitare. Avant ça, ça me donnait énormément de boulot. Là, pour cet album, c'était la partie la plus rapide. Je savais déjà ce que je voulais. Et les morceaux ont été très très rapides à concevoir. Donc la difficulté, elle s'est située ailleurs en fait. J'ai essayé de faire un travail de cohérence entre ce que j'ai fait avant et de ce que j'allais apporter de nouveau dedans. Donc notamment au jeu, je me suis forcé à essayer de transposer mes idées en essayant de les passer sous forme de tapping à 8 doigts, parce que ça a apporté une sonorité différente, et à trouver des espèces de petits réflexes, de petites signatures sonores que j'essaye tant bien que mal de placer dans les parties leads. Donc c'était surtout à ce niveau-là, en fin de compte, que j'ai essayé de trouver des choses nouvelles. On a quand même eu beaucoup de liberté, je pense que je suis pas le seul à avoir eu cette impression-là. On a eu beaucoup de liberté dans l'interprétation, au sens où Thomas, il a pas été trop chiant, il nous a livré des parties qu'il avait déjà faites, il nous a dit « bon allez, jouez comme vous avez envie, comme vous êtes à l'aise dessus », donc c'est un peu ce qu'on a fait. Alors moi, pour ma part, j'ai essayé quand même de m'imposer une certaine discipline, dans le sens où j'avais pas envie non plus de défigurer les morceaux de Thomas, donc j'ai essayé quand même d'avoir minimum de discipline, pour reproduire au mieux donc les parties qu'il avait pensées, même si je les adapte quand même un petit peu, en le sens où lui les a écrits en tant que guitariste, donc c'est du Thomas. Moi après, je m'appelle pas Thomas Bressel, je joue autrement, et forcément j'ai un style qui est un peu différent, donc forcément il y a des choses que j'ai jouées pas exactement pareil. Donc là-dessus, il a des trucs cool, il nous a laissé faire un peu ce qu'on voulait, et c'est tant mieux, parce qu'au final, c'est des choses qui nous ressemblent plus, on est plus impliqué dedans, et forcément c'est plus sympa à jouer, quoi. C'est plus cool, quoi. J'ai fait pas mal de concerts, notamment avec Explicit Silence, Deanza aussi à l'époque. Et voilà, donc après, il y a eu la rencontre avec Thomas. Donc la première expérience live avec ce projet-là, c'était donc le festival Vigne-les-Bains. Il y avait le trajet avant, on était un petit peu fatigués, mais c'était quand même un super moment, on s'est bien éclaté. Et voilà. Et du coup, après, on a enchaîné une autre petite date dans une colonie de vacances métal. Ça, j'en garde aussi un très très bon souvenir. Ma façon de travailler reste toujours plus ou moins la même, c'est-à-dire que depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui, je commence toujours par trouver soit des riffs, soit des mélodies ensuite que j'assemble. Et tout ce travail-là, en fait, je le prévisualise grâce à un logiciel que j'utilise depuis vraiment le tout début, donc qui s'appelle Guitar Pro. Et c'est en grosse partie grâce à ce logiciel que j'arrive à assembler mes idées et à voir si donc tout ça c'est cohérent, plutôt que d'enregistrer, de réessayer autre chose et de perdre du temps. Je gagne énormément de temps en travaillant de cette façon-là. Sinon, au niveau de l'harmonie, machin, tout ça, j'essaie de pas trop utiliser toutes ces notions-là, parce qu'en fin de compte, je risque de tomber dans des morceaux qui sont trop calculé, et j'essaye de surtout quand j'harmonise une guitare notamment, de le faire à l'oreille, de passer par ce que j'entends, de tester ma guitare sur l'autre guitare. Concernant les tonalités, même dans les morceaux, quand j'ai un riff, j'essaye de ne pas l'analyser. Sauf si c'est trop évident, si ça transparaît comme ça sur une guitare, avec l'habitude, on a des automatismes concernant l'harmonie des morceaux, mais j'essaye de ne pas trop l'analyser et d'essayer d'y aller à quelque chose de plus instinctif, de trouver les notes sur le manche de la guitare sans faire de référence à des gammes, à des positions, etc. C'est ce qui me permet justement de trouver des idées et des fois aussi de trouver des notes qui ne sont pas du tout dans la tonalité, des notes qui sont complètement entre guillemets fausses, mais qui collent parfaitement au rythme, qui donnent un style un petit peu plus contemporain. Je pense notamment au solo du morceau Virus, qui est en fait
un solo complètement atonal. Donc j'ai travaillé de cette façon-là concernant cette partie-là du morceau. L'étrange avec Thomas, ça a été un peu une grande première de jouer donc sur des grandes scènes, de faire la fête avec des icônes qui envoient sacrément. Voilà, ça a été un petit coup de stress quand même. Moi, je suis pas très habitué à jouer en étant filmé.
tout comme Paris devant une caméra. Et voilà, mais ça a été pareil, une expérience bien sympathique. On a fait ça sur un temps super super réduit. Donc c'était ça qui était un petit peu tendu par contre. L'expérience de la prise vidéo du DVD a été quelque chose de totalement inédit pour moi. J'ai jamais eu trop l'occasion de me retrouver face à des caméras ça, qui nous scrutent et qui nous regardent pendant qu'on joue. J'ai vraiment pas l'habitude. Ça a été un peu déroutant au début, ça a été beaucoup de stress avant cette fameuse date fatidique. Finalement, on s'est bien pris au jeu, ça nous a bien amusé. Bon, ça a été un peu bizarre de se faire vraiment scruter de tout près par des caméras, sachant qu'ils étaient quand même proches de nous, ils nous regardaient comme ça avec leurs yeux bizarres. Mais... On est entré en studio, donc j'ai enregistré les morceaux, moi, de mon côté, en une journée et demie. Voilà, ça aurait pu prendre un peu plus de temps avec du recul, mais bon, le résultat est quand même super satisfaisant. En général, les versions de départ des morceaux que j'écris, c'est toujours la version que j'ai au final sur le disque. Le disque, c'est une chose. Après, pour les jouer en live, c'est encore autre chose. Là, les arrangements peuvent changer. Donc, notamment Simon, Nicolas et Charlie s'arrangent pour les jouer à leur manière. Le principal, c'est que tout reste cohérent. Donc ça, après, ils se débrouillent là-dessus. Mais sinon, pour la batterie sur le disque, l'arrangement a déjà été fait et donc le Charlie s'est adapté sur la batterie. Puis il a fait sa tambouille pour que ce soit jouable par un batteur et non pas par une boîte à rythme en fait. Non, l'idée ne me plaît pas. Donc l'album s'est enregistré d'abord chez moi dans mon studio avec donc, tout ce qui est guitare, basse et clavier, donc j'ai fait tout ça ici. La batterie a été enregistrée au studio de la Souleuvre, donc c'est un studio qui se situe dans le Calvados, à la Ferrière à Rennes, donc c'est près de Caen. Et donc l'ingé son, Guillaume Tousseau, a donc tout fait, tout le mixage de l'album. Et s'est occupé de l'enregistrement de la batterie, donc tout s'est fait là-bas. Et il a très bien bossé, il a bien respecté en plus le choix de la sonorité générale qu'on souhaitait avoir sur l'album. Et donc le tout va ressortir de façon beaucoup plus dynamique. Et cette dynamique, justement, c'est ce qui manquait pas mal donc à l'album précédent. Étant donné que c'était moi qui avais fait la production de A à Z, j'étais arrivé à mes limites en termes d'aptitude à traiter le son. Donc là, il fallait vraiment que ce soit un professionnel qui s'en charge. Et donc le résultat est vraiment très très au-dessus en fait. Concernant le mastering, en fait, je savais pas vraiment où aller, j'avais jamais fait de mastering dans un studio spécialisé pour ça, donc finalement j'ai demandé conseil à des gens qui j'ai confiance, donc j'ai demandé entre autres à Ludovic Egrave qui lui m'a conseillé Jean-Pierre Bouquet qui est un gesson à l'autre studio donc, qui est situé près de Paris en banlieue parisienne. Et donc il fallait une personne qui connaisse son boulot, puis qui avait fait ses preuves, quoi. Donc le choix était rapidement fait, en fait, suite à ça. Donc une batterie Tama Rockstar, une batterie qui date un petit peu, mais voilà, je trouve qu'elle convient super bien, en général, au style rock, voire métal. Moi j'en suis super content pour le moment et j'utilise à la fois en studio et en live.
Donc voilà. Et j'utilise aussi une caisse claire Starphonic de tabac, 14 pouces en métal. Voilà, avec des cymbales, cymbales Zildjian. On refait là parce que c'était un peu hésitant, je trouve. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Hésitant ou ça Sur le changement de tempo et puis. Ouais. Ouais. Pardon. Hein? La même. La même, ouais, c'est ça. Donc Thomas m'a réservé une petite surprise un jour en me disant: écoute, Charlie. Voilà, j'ai un morceau à faire donc, pour une compile. Mais il m'a dit par contre, j'ai pas de thunes, on peut pas aller en studio. Je fais les guitares et basses chez moi. Et par contre, ça serait bien que tu fasses ta batterie, l'enregistrement batterie chez toi. Voilà, autant te dire tout de suite que ça a été un petit peu galère. Parce que voilà, j'ai pas forcément le matos approprié. Bon, j'ai eu des micro-batteries forcément, enfin voilà, le minimum. Et voilà, mais c'est beaucoup moins confortable qu'être en studio. Et là, le Thomas Bressel, je le retiens. Ça se paiera. C'est quoi ce bruit-là? Ce que je referais pas, c'est enregistrer un putain de morceau tout seul, comme un connard chez moi.
Donc cet album, donc Virtual Tragedies, va clore cette trilogie, et donc je pense pas refaire d'album instrumental avant de nombreuses années. Alors déjà pour la simple raison, c'est que déjà il va falloir faire vivre ces morceaux-là, donc depuis trois albums, donc faire des concerts avec Charlie, Simon et Nicolas, mais repartir sur un projet qui est différent, plus orienté death metal, on va dire. C'est encore assez vague dans ma tête, bien qu'il y ait déjà quelques compos de montée. C'est parce qu'en fin de compte, finalement, la musique instrumentale, me concernant, atteint sa limite en termes de conteneur. C'est un peu comme un conteneur d'émotions où on peut canaliser tout ce qu'on a en soi dedans. Seulement, ce conteneur n'est plus assez grand en fait pour y contenir justement tout ce que je voudrais y mettre. Donc, le fait de rajouter du texte, donc du chant, ça va me permettre de pouvoir y mettre ce qui me manque. Le fait qu'il y ait plus de riffs, il y aura beaucoup moins de solos évidemment. Il y en aura quand même, mais c'est plus du tout le même concept. Il y aura toujours du shred un petit peu, il y aura toujours tous les éléments qui ont fait ma musique jusqu'à maintenant, mais avec beaucoup moins de soli et plus de chant en fait. Quelque chose de plus agressif, de plus violent, qui va me permettre justement de canaliser toutes sortes d'émotions qui me restent à l'intérieur en fait, et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de sortir de là.